Les Pays-Bas ont un nouveau roi, Willem Alexander. Il succède à sa mère Béatrix qui a abdiqué en sa faveur. Aux côtés de son épouse Maxima, il a été intronisé dans l'ancienne église Nieuwekerk d'Amsterdam cet après-midi. Il est le premier homme à accéder au trône depuis 1890, après trois reines et une régente. Zo waarlijk helpen mij, God almachtig. Lors de sa prestation de serment, il a rendu hommage à sa mère et a indiqué vouloir continuer dans ses pas. Il a dit vouloir encourager l'esprit de communauté et la démocratie. Ce matin, au Palais Royal, Béatrix avait signé l'acte d'abdication après 33 ans de règne, transmettant ainsi ses fonctions royales à son fils, un document paraphé par Willem Alexander et Maxima. Un couple royal, symbole d'une nouvelle génération de monarques européens. À 46 ans, il est le plus jeune souverain d'Europe. Il est vu comme plus proche des gens et plus progressiste que Béatrix. Malgré les réserves que certains ont exprimées dans sa jeunesse sur sa capacité à devenir roi, Willem Alexander en a acquis progressivement la légitimité. Son épouse, d'origine argentine, l'y a aidé. Cette transition historique a été accueillie dans la Liesse, sur le Dam, la grande place d'Amsterdam, où des dizaines de milliers de personnes se sont réunies. Une immense fête est prévue ce soir dans la capitale néerlandaise. Le jeune souverain bénéficie d'une grande popularité. 69% des Néerlandais interrogés affirment avoir confiance en Willem Alexander.